Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, nickel. Eh ben, ça va très bien et toi, les jeux de Jebug. Ok, je vous montre où j'en suis. Donc là, la dernière fois, on avait posé toute la raffinerie là-bas. Et j'ai déjà fait toute celle-là. Ouais. Ah, ça vous réveille, ça, hein. Ok, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai placé des valves un peu partout, histoire de pas avoir de problème de courant. J'ai pu raccorder, j'ai passé tous les tuyaux par le haut pour faire ultra propre. Je me suis fait chier un truc de fou. J'ai mis tous les convoyeurs, adapté les vitesses de sortie. Tout est mis. Il y a des... Quand ça devait passer de là à là, parce que je vais essayer de garder des fleurs dans le biome et tout. Hop, je suis passé par en dessous. Je vais vous montrer ça un petit peu. Hop, voilà, des trucs propres partout. Je vais commencer à changer les fondations pour mettre en béton ciré, vu qu'ici j'ai masse de plastique qui arrive. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Ça va, la musique est pas trop forte. Salut Pierrick. Donc je vous montre. Ça va nickel et toi? Et donc côté gare, voilà ce que ça donne. C'est d'ici dont vont partir mes gares. Après il faudra que je bosse sur le design, tout ça, mais ça on le fera bien plus tard. Et là j'ai fait un système bien chevenu. T'as fini ton année? Ça y est, c'est les grandes congés là, grandes vacances. Oh, ça claque. Finito les partiels et les euros. Eh ben, GG à toi, bravo. Bravo, une année de plus. Ok, je vous montre. Voici le bordel que ça donne. Pourquoi ce tel bordel? Parce que tout simplement la dernière ligne, ici j'avais besoin de 7 wagons. Et que la dernière ligne, eh ben j'ai pas assez de raffinerie pour pouvoir alimenter la dernière ligne à 780 en plastique. Donc du coup, j'ai mis des séparateurs intelligents, ici, là, 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 etc. Et en gros, ça dispatche moitié ici, moitié là. Et si c'est plein, ça renvoie dans les broyeurs. Là aussi, etc. Donc je vais faire après le même concept de ce côté-là pour le caoutchouc. C'est pour ça que j'ai laissé de l'espace là pour pouvoir relier. Histoire de pouvoir voler tranquillement. J'ai juste posé un rail en travers comme ça. Ce rail ne sert que à ramener du courant ici pour pas avoir de problème et pouvoir voler. Voilà. Là, j'ai posé en attendant, comme j'ai juste deux trains, j'ai rajouté un deuxième train qui font la navette pour aller chercher le carburant. En fait, ce que j'ai mis pour l'instant provisoire, hein, c'est que j'ai relié, mais à l'arrache complet. Alors, c'est juste au-dessus. Ouais, même là. Ça c'est interdit, ça, c'est ban. Mais en attendant, ça me permet de pouvoir tester les raffineries, voir si elles sont bien reliées, s'il n'y a pas de problème, etc. Je vais vous montrer comment je fais. Ah, les jeux qu'a banni Pierrick. Pierrick, si t'as des points de chaîne, c'est le moment de les claquer, l'ami. Voilà à quoi ça donne de ce côté-ci. Là, les numéros qu'il y avait au sol, c'est quand je comptais, en fait. Je les ai comptés une par une, etc. Là, j'arrivais à 176. Et comme on a 390 centrales, donc 390 divisé par 2, pardon. 390, pas x2, divisé par 2. 195. Donc, il fallait que je parte là, 176. Et après, j'ai recompté jusqu'ici pour arriver à 195. À ce niveau-là. Et GG pour le Théo de 5 minutes. Et donc voilà, attendez, je vais régler différemment le son parce que moi, il hurle dans les oreilles. Hop là, très bien, c'est bon. Ok, donc je vais vous montrer un peu comment j'ai géré le truc. Hop, allez. Donc il suffit juste que je purge, hein. Pour l'instant, ça, je l'utilise pas encore. Ça viendra. Et donc, tac, ça y est, c'est direct full. C'est très très facile. Et refougère. Là, pareil, j'ai mis un truc pour relier, pour pouvoir vider les deux réseaux beaucoup plus rapidement. Hop, là, ça se vide aussi. Pas de problème. Alors là, tiens, si, il y en a une en jaune. Pourquoi toi, t'es en jaune? Tu dois être pleine de... Tu dois peut-être être pleine de quelque chose. Ah non, toi, il manquait du pétrole. Ah, juste, elle a pas reçu le pétrole. Ok. Ici, pareil pour lancer. Salut, Marc. Ouais, faut utiliser les points de chaîne, bien sûr. Hop, et là, pareil, je vide. Et ça se relance. Et du coup, bah, ça va me faire une belle arrivée de plastique. Allez voir ça, le temps que ça c'est fini de purger, que ça rebalance. Mais ça envoie du pâté. Hein. Ça va très bien, Marc, et toi? Ok. Hop. On voit la production qui augmente petit à petit. Petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis après, bah, tout ça, ça part dans les broyeurs pour l'instant. Et du coup, quand je les lance, on a un petit boost. Hein. Niveau recyclage, ça fait un bon petit boost. Hein. Bien tranquillo. Putain, mais 10 petites tickets encore. Ça m'en fait 346 sur moi, c'est déjà pas mal. Et là, ça continue d'augmenter, 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 etc. Et là, ici, là où j'ai mis mes passages, ça va être justement pour le comment ça s'appelle, 1, 2, 3, 4, pour le caoutchouc. Je vais le passer en dessous pour le faire remonter ici propre. Parce que là, ici, comme j'ai les rails de train, ça va être la misère. Donc, il va falloir que je le passe un petit peu en diagonale en dessous ou faire des angles droits, ce que je vais faire, pour pouvoir raccorder, arriver là proprement, etc. Donc, voilà, j'ai déjà pensé à ça. J'ai déjà pensé à tout ça et vous voyez que ça tourne plutôt bien. Hop, le seul problème, c'est le merdier astronomique que c'est pour pouvoir passer les canalisations. Alors, les premières, ça va. Mais quand on se retrouve à l'endroit où on a tout qui sort et qu'il faut tout passer, là, ça commence à devenir assez problématique, surtout quand on veut pas de glitch. Voilà, ça commence à donner des trucs un peu comme ça avec des valves de partout. Et je gère, j'envoie une moitié de prod là-bas et l'autre partie qui repart là-bas, mais qui est séparée en deux parce qu'il y a ci, ça et tout. Un peu la misère à gérer. Et donc là, il me reste deux tuyaux en attente ici pour pouvoir aller régler les deux raffineries là-bas. Et toutes les autres, il va falloir que je parte des trois dernières qui me restent ici, par là-bas. Voilà, j'en ai une là. La deuxième, elle est là. J'ai commencé à la tirer vers le fond, mais j'ai pas fini. Et la troisième, elle est là. Donc ouais, il y a du taf. Hop. Attendez, je vais allumer ma lumière, tiens, en fait. Ça va, il fait encore jour, mais... Voilà, j'ai l'air plus bronzé comme ça. Ça te donne meilleure mine. Ok. Allez, let's go. Donc, ici... Voilà, ici, j'alimentais juste celle-là. Et il fallait que je parte de ma jonction ici. Donc celle-là, elle était réglée à, que je dise pas de conneries, 120. Ok. Donc il me reste 480 à partir tout droit pour pouvoir alimenter celle du fond. Je sais pas trop comment je vais le faire. On va bien voir. Comme d'hab. La sortie. Sortie. Et donc arriver jusque là au moins. Hop. Ok. Faut que je fasse d'abord le courant en premier, sinon je peux pas voler, c'est la misère pour les réglages. Donc on va faire. Les FPS ont du mal tellement il y a de trucs. Oh bah je trouve qu'il y a pire d'habitude. Ça va encore. De toute façon je pourrais pas avoir mieux hein, les amis, hein. Vous le savez ici. Hein. C'est pas moi le problème hein. Ah putain j'aime bien ça, ça. Ce son là il motive direct. Allez, coupe-toi toi, hop. Que toi je vais devoir t'amener. Alors attends, que je réfléchisse. Que je vois t'avoir. Je suis nouveau ici, désolé. Ah bah y a pas de souci. Y a pas de problème. Non en fait c'est parce que tu vois la sauvegarde est tellement grosse que le jeu ne suit pas. Tu vois c'est même pas mon ordinateur, c'est vraiment le jeu qui est en PLS. Le jeu qui est en PLS et qui est au bout de ce qu'il faut faire. C'est Warzaf. C'est là que t'es content si t'as prévu un étage logistique pour agrandir facilement. En dessous. Et je vais agrandir par en dessous. Je vais agrandir par en dessous pour le traitement des fluides, etc. Après, où est-ce que je vais poser les centrales? Parce qu'il va bien falloir utiliser les fluides. Ça, c'est une autre histoire. Mais on a recalculé, sur le Discord, on a tout recalculé avec l'ami Mr Freeze, pardon. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, produire du carburant, ça produisait mieux. Mais le delta entre le carburant et la coque de pétrole, il est quasiment nul. Il y a 5% de différence de production de courant entre les deux. Si on prend en compte tous les coûts de production, les coûts de 5% de différence, c'est pas grand-chose. Je pourrais rester sur de la coque de pétrole, mais... ça me fait une grosse différence de machine à poser, donc une grosse différence de place, donc une grosse différence de taille de sauvegarde, et donc une grosse différence pour les FPS. Donc je vais plutôt partir là-dessus. Parce que sinon, il fallait que je pose quasiment 1200 centrales à charbon pour utiliser toute la coque de pétrole qui va être produite ici. Imaginez le bordel, quoi. Et repirique. Ok, du coup, je partais de là-bas. Alors, mon séparateur, il est où? Parce que là, ça arrive là, ça arrive là. Il va falloir aller là-bas. Ah oui, le courant d'abord, j'ai dit. Je pars dans trop de trucs. Hop. Allez. Hop, ici on raccorde. C'est parti. On va se mettre au sol. On va se mettre au sol, on verra mieux les angles. Tac. Tac. Hop. Ouais, comme vous voyez, j'ai bossé en live. Hein. Tac. Ouais, ici, jusque là. Hop. Alors, ça vous, il a réussi à se mettre à l'intérieur. Toi ici, ici. Ok. Par contre, ça va m'en bouffer du courant électrique, mais vu que je suis déjà large et que je vais en produire encore plus... Aux F-tiers. Je sais pas à combien je tourne là avec les raffineries, là je dois être à 77 000, 60... un truc comme ça. Je sais pas à combien je suis... Attendez. Je suis qu'à 70 000 là. Ouais, mais elles sont arrêtées. Là, elles sont arrêtées. Si jamais je tronce... Hop, je flush. Ça devrait augmenter direct. Ah bah non, elles sont pas alimentées celles-là. Elles sont pas alimentées celles-là. Ok. On s'en fout. Hop. Toi, tu ramènes là. Donc vous avez fait quoi de beau aujourd'hui les amis? Alors certains ont fêté la fin des études, et les autres? Hop. Let's connect. Tac. Et avec ça, on va faire que du caoutchouc, que du caoutchouc, que du caoutchouc, et que du caoutchouc. Du coup, il va falloir que je modifie aussi mes gares au niveau du pétrole. Parce que j'avais fait arriver que 7 wagons, mais il va m'en falloir bien plus. Enfin, pas 7 wagons, non, j'avais que 4 qui arrivaient. Il va falloir que je modifie tout ça. Je pensais pas faire ça aussi vite, mais... je veux dire aussi rapidement, je pensais faire d'autres builds avant. Mais non. On va commencer par ça. Hop. Tac. Allez. Alors encore une dernière. Après, on va déjà bosser avec ça. Tac, ok. Allez, let's go. Ça, c'est bon. Hop. Merci à vous, vous êtes déjà 16 dans le chat. Merci infiniment. J'espère que vous allez bien, les amis. Vu qu'il y a eu pas mal de posts aussi sur le Discord par rapport à Satisfactory, c'est cool. Fait plaisir, je vois l'entraide et tout entre vous, c'est super adorable. Hop. Ok. Donc, j'ai 380 mètres cubes qui vont être disponibles. Donc, non, 480. 480 divisé par 30, ça me fait 16 raffineries. Est-ce que j'ai 16 raffineries là, à vue d'œil? À peu près, je dois les avoir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dit-elle, 18. On n'était pas loin, mais c'est bon. Ok, donc je m'arrêterai 2 avant. Il va falloir que je remette peut-être un split là pour redescendre directement ici. Je sais pas. Ah oui, non, l'entrée c'est de l'autre côté. L'entrée c'est de l'autre côté. Ouais, parce que là c'est la sortie. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un moment de doute, mais c'est bon. Ok. Alors. C'est plus le problème de plastique ou de caoutchouc maintenant pour pouvoir faire les valves, vu que j'en produis ici. C'est cool. Hop. Tac. Moins les deux dernières, hein, c'est ça. Moins les deux dernières. Donc celle-là, ça va être la fin. Donc je raccorde ici encore. Et c'est bon. Allez. Hop. Mettons-nous comme ça. Alors, du coup... Merci Ruki... ton abonnement à la chaîne YouTube. Merci infiniment. Hop. Ça, c'est une musique que je devrais mettre en début de stream, ça. Hop. Hop. La fameuse musique du bonjour. On va monter un peu. Merci Stoupache, merci beaucoup pour ton follow. Merci infiniment, bonjour. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien l'ami, installe-toi bien. Installe-toi bien l'ami, merci beaucoup. Hop. Pour l'instant je mets du MK1 mais ça va sûrement virer en MK2 après quand je vais savoir où est-ce que je vais les ramener. Et attends, comme t'es une fin toi aussi là, hop, on va virer ça et ça, c'est bon. On va le relier directement pareil comme les autres. Hop. Ok, du coup, alors, avant de passer les trucs en MK2 correctement, il va falloir que je vois comment est-ce que je vais le relier. Donc normalement, ça devrait arriver là, en face. Ok. Vas-y, revol. Ok, allez. On se connecte là. Alors le mieux ce serait de pouvoir me mettre pile poil en face. Donc c'est juste un clic après le milieu. Donc là et là. Et donc normalement si je descends et que j'essaie de connecter, je devrais arriver pas mal du tout. Alors toi tu vas arriver ici. Ah, je vais en arriver un de chaque côté là. C'est pas exactement du tout comme je voudrais même. Parce que là du coup ça va être la misère pour connecter. Remarque si je prends tout droit comme ça. Hop. Là il va pas être droit. Est-ce qu'il est droit là comme ça? Ok, c'est bon. On s'est entreaperçu sur le stream de Papy, ça fait plaisir de voir des vraies usines. Ah bah ouais mec. Ah bah ici, si tu veux voir des vraies usines, tu vas en voir. Ok, là on est de travers, donc le positionnement est bon, mais il faut juste que je le décale. Parce que dans ce sens-là, on est bien droit. Donc on va juste le décaler. Hop, un support. Tac. Je suis en face ou pas là? Je suis en face. Ok, va peut-être falloir que j'aille en MK1 en fait pour la manière dont ça arrive là, attends. Bon, on va mettre les... on va mettre tout ça, alors attends, c'est où? C'est là, on va mettre les valves. Purée, c'est pas possible ça. On va mettre les valves et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, je dois avoir 30, c'est possible que je sois uniquement en MK1, c'est possible. Donc on va caler des vannes les plus proches possibles des intersections pour pas avoir de problème de backflow. Ok. Là. Ici. Hop. Hop, c'est bon. Ok, donc réglage. Ici, je veux quoi? Je veux 30 par minute. Ici. 30 par minute. Hop. 30 par minute. 30 par minute. Celle du fond, bah, elle va prendre aussi 30 mètres 20 minutes. Celle-ci, elle va prendre 60. Ok. Après celle-là, 90. Ok. 90. Là, 120. Donc celle-ci doit arriver 150. Donc la pompe, on va la mettre... Enfin, la valve, je vais la mettre le plus haut possible, toujours pour éviter au maximum les problèmes de backflow. On va la mettre là. Donc celle du bas était réglée à 120, celle-ci à 150 parce que elle part direct rejoindre la première ici. Je pourrais le mettre là, mais je préfère le mettre en haut, ça va éviter les problèmes de backflow, etc. que ça tire et tout le bordel. Donc ici c'est bien. Ok, donc on était à 480 mètres cubes moins les 150 qu'on a. Il me reste 330 mètres cubes à passer. Et donc ça, eh ben, on va le passer en MK2. Ok, on va régler à 330. Dans l'autre sens, ça marchera mieux. Hop. Donc là, 330 mètres cubes, ok. Toi, tu dois arriver ici à 330 parce que toi, tu vas prendre 30. Donc après, tout reste en MK1. Normalement, c'est bon. Ok, et si je me suis pas trompé, on devrait arriver pile poil. Donc toi... Ici, se voir raviole aux herbes. Ah, ce soir, raviole aux herbes, sauce pouce d'oignon. Je vois même pas la tête de vieux. Mais si, je le vois. Comment tu vas, Pierrot? Alors, ton impression de Satisfactory maintenant que tu testes? Fatigué? T'as geeké toute la nuit, c'est ça? Ok, on est bien. Là, on est bien. Ok, là, on est dans le bon sens. On parle pas, je galère. donc ici 120, j'arrive ici, je suis limité à 90, j'arrive ici, je suis limité à 60, j'arrive ici, je suis limité à 30. Ok, donc ça c'est bon. Là, de ce côté-là, moi je me suis trompé en tapant un truc, mais... Là, j'ai 30, 60, 90, 120, 150. 150, on est d'accord, c'est bien ce que j'ai mis. Ok, alors la faute, l'erreur est d'ici. On va voir ça. Ah mais attends, 150 et 120, ouais c'est ça. Donc là ça me fait 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. Merde, où sont les 30 derniers là? Où sont les 30 derniers? J'ai 30 mètres cubes qui me manquent. Là il y en a 5 qui sont reliés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 x 5, 15. On est bien à 150. Ok, de l'autre côté, j'en ai que 4 normalement. Donc 1, 2, 3, 4, 120. Ok. Donc on est d'accord que si je fais 600, moins 150, moins 120, il reste bien 330. Et donc 330 divisé par 30, ça me fait 11 de reliés. Là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il m'en manquait une. Manque une usine, ouais. Ouais, il m'en manquait une. Ah, fallait trouver laquelle c'était. Fallait trouver laquelle c'était. On va régler le problème en 2-2. Toc. Hop. Sans surprime, on repose. Hop. Salut Mike Jefferson, comment tu vas? Bienvenue à toi mec. Ici. Et ici. Ok, j'ai juste à modifier la ligne centrale en rajoutant 30 à chaque fois. Ok, ça va très bien, je te remercie. Donc là du coup c'est 30. Là ici de 30, je passe à 60. Et là je vais arriver bon. 60. Hop. 90. Hop. 120. 150. Ok. 150. 180. Ok. Merci beaucoup pour ton follow, Balaclava. Merci beaucoup. Merci infiniment. 180. Merci infiniment. Grand merci à toi. 210. Ok. Bonsoir Acharné, comment tu vas? 240. Ok. 270 ici. Ok. Donc 270 là, ici on est à 300 pour limiter 300. C'est parfait. Alors là, vous me direz, bah oui, mais mettre une vanne à 300 alors que le pipeline il supporte que 300 maximum, ça sert à rien, il peut pas aller plus que 300. Ouais, vous avez raison. Mais c'est pour éviter les problèmes de backflow. J'ai pas envie que quand ici ça consomme du courant, consomme du pétrole, qu'il y ait une partie du pétrole qui passe là-bas et qui veuille repartir en marche arrière. C'est pour ça que je mets des valves quand même, même si en termes de quantité, il n'y a pas besoin. Voilà. Et salut à toi, Niki Twitch, bienvenue. Ok. Je vais déjà relier les sorties. Alors, les sorties, en gros... Toi, tu dois te mettre comme ça. On va te classer comme ça. On va voir si ça passe. Si ça passe, c'est top. On va jusqu'au bout. Et si ça passe pas, on décale. Ça passe. Impeccable. C'est comme ça. Bonsoir à toi, Niki Twitch. Bienvenue. Hop, le dernier est pas dans le bon sens. À faute de Niki Twitch, voilà. On va dire que c'est de sa faute. Faut bien qu'il y ait un responsable. Mais c'est pas possible, le dernier se met toujours dans le mauvais sens. Regarde bien, concentre-toi. Ok, c'est bon. Sur ma partie, je suis à ce niveau, j'avais du mal avec les pipes. Si t'as besoin de conseils, t'hésites pas, je suis à 5000 heures de jeu. Là, j'ai une petite production, justement. Et salut Venom, bienvenue. Hop. Alors, une petite production, là, des familles. Production Alors, du coup, 1, 2, 3. Hop. Je vais pas mettre encore de convoyeur pour les relier. Parce qu'en fait, il va falloir que je vois par rapport à l'arrière à combien on en est. Et est-ce que je dois passer des convoyeurs vers l'arrière ou pas? Faut que je voie ça. Ça se trouve, je vais devoir en bouger quelques-uns. Je pense peut-être un. Mais tous les autres seront bien mis déjà. Ok, j'ai plus de plaques de fer. Ce qu'on va faire, du coup, on va régler le problème des plaques de fer. Je vais pas me faire de aller-retour. Je vais prendre juste le béton ciré. Et je vais juste remplacer les fondations du sol, qui sont en normal, par des fondations béton ciré. Hop. Donc j'ai juste à rester appuyé et à basculer sur le côté. Et comme à chaque fois je remplace par du plastique, ben je récupère les plaques de fer. Et comme du plastique ici, j'en produis à balle. Parce que j'ai 195 centrales, raffineries qui sont dédiées à ça. Et ben du coup, j'ai pas besoin d'aller en chercher. Hop. Alors, le jeu aime pas par contre, quand je fais ça, il aime pas. Hein. Hop. Tac. Et... voilà. Ok, comme ça, on va tout changer d'un coup. On va s'arrêter ici. Je vais me faire un petit trait pour voir, pour me rappeler que j'ai changé que jusque là. Tac. Hop, très bien. C'est cool. Très bien. Hop, et je suis à combien de plaques de fer là maintenant? J'en ai 250. Très bien, ça va me permettre de continuer à poser justement mes groupeurs. Après, on va équilibrer les tapis, on va équilibrer tout ça. Il y a Tina Turner sur le chat. Appel Cruid, bonjour à tous. Comment tu vas, NASCAR? J'ai pas compris la ref à Tina Turner. Je sais que c'est une chanteuse, hein, c'est pas le. Ouais, c'est pas le problème, hein, mais j'ai pas compris pourquoi tu parlais d'elle là. Hop. Et hier d'ailleurs, hein, c'était pas très drôle de lui faire croire que Amourante allait arriver sur son live. Vous avez abusé quand même. Ça c'est GG ça. Hop. Ok. Et allez, plus qu'un. Très bien. Alors, on va les check. À combien est la vitesse des convoyeurs ici? Donc là, pour savoir, là je suis à 780 partout, ok, 780, ça me fait 760, 740, 720, 700, 680, 660, 640, 620, 600, 580, 560, 540, 520, 500, 480, on a bien la différence de vitesse des tapis, 480, 460, 440, 420, 400, 380, 360, 340, 320, 300, 280, et là on passe bien sur du MK3, 260 et 240, ok. Et donc ici il va falloir que je récupère, donc 240, si je récupère avec celui-là, ici je serai à 220, ici je serai à 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20, donc là 0, donc en fait c'est à partir d'ici, il faut juste que je les fasse aller dans l'autre sens. Ok, juste ça à faire. Alors ça oblige à les mettre, à les renlever, c'est vrai que j'aurais dû regarder avant, effectivement. Je pars en visio à plus tard, ok acharné, bon courage pour ta visio. Hop, tiens on va utiliser la touche qui me permet de virer que ça. Hop, très bien, Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, quand vous faites du démantèlement de masse, vous pouvez binder une touche pour ne supprimer que ce que vous voulez. Par exemple, si je ne veux, par exemple ici, ne supprimer que les groupeurs, je peux, même en faisant du démantèlement de masse, ne virer que les groupeurs si je veux. Et même si je vise ailleurs, il n'y a pas de problème. Vous avez juste une touche à bind. Hop. Et c'est assez pratique. Donc là, je dois tourner dans ce sens-là. Ok. Ok. Ah, je n'ai plus beaucoup de tiges par contre. Il faudra que je retourne à la base, aller chercher tout ce qui me manque. Tac, et toi tu vas partir par là-bas aussi, tiens, comme les autres. Pas de raison. Hop, alors. Hop, très bien, ok, c'est passé. Donc... toi, tu vas devoir descendre dans le sol. On va te mettre ici. Et donc... tu vas arriver là, tu vas tourner. Donc, tu devrais remonter là-bas. Ce serait bien. Donc là, ici, je suis toujours en MK3 normalement. Je suis un peu loin. Je vais me rapprocher un tout petit cran. 1, 2, 3... Okay, ici c'est bon, on va tirer un câble électrique parce que comme on va passer en dessous, on risque de perdre le courant. Ok, alors toi. Comme ça. Et toi. Comme ça. Et entre les deux. Voilà, comme ça, parfaitement aligné, aucun problème. Ça, je récupère de là. Allez, connecte. Impeccable. Donc là, je sais plus à combien j'en étais là. Là, j'étais à 280, 260, 240. 240. 240 ici, hein. 260, 240. Donc ici, je suis à 220. Là, je suis à 200. Je suis à 180. 160. 140. 120, c'est du MK2. 100. 80. De là, là, c'est du 60. Là, c'est du 40. Et là, c'est du 20. Ok. Donc ça y est, ça c'est relié, ça c'est posé. Ok, let's go. On va poser toutes celles-là. On va même pouvoir les supprimer, celles du tout. On va pouvoir supprimer celles du tout qui sont là. Alors, je vais juste check, tiens, pourquoi il n'y a pas de truc qui est là. Salut Crazy, comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Je suis passé sur ton live quand tu faisais du Gartic, mais t'as pas dû me voir. Bon, je t'envoie un petit message, t'es coucou et tout, mais concentré. T'étais focus, t'étais en train de dessiner. De mémoire, il y avait un bail avec Sonic, il me semble. C'est ça, hein. Ça va nickel, je te remercie. Hop. Allez, ici on est là. Tac. Ah, sorry, bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. C'est moi, j'ai la réputation de pas lire le chat. Hein, le chat. Je réfléchis à faire une alerte sonore parce qu'ils sont toujours en train de dire « Ouais, t'as pas lu, t'as pas lu, t'as pas lu ». Enfin bref, tu connais, hein. Si tu fais clear, on t'engueule parce que tu proposes pas de gameplay. Et quand tu lis pas, et ben c'est la fin du monde. Alors ça, par contre, ça m'arrange pas. Ça devrait arriver pile poil là. Ça m'arrange pas du tout. Il va falloir que je le décale. Mince. Donc ça, il faudrait que ça arrive là. Donc il va falloir que je décale aussi en dessous. Hop, on se met dans le bon sens. Hop, ici. ça on supprime, on ira plus vite. Ok. Tac. Ici, de là à là. Ok, let's go. Ça peut arriver que je lâche des messages, désolé. Non, mais t'excuses pas, hein. Moi aussi ça m'arrive très souvent. Quel streamer n'a jamais raté un message, mec? D'ailleurs, je vous invite à passer voir ce que fait The Crazy Gamer, parce que vraiment, il se donne à fond quand il fait des lives. Il y a énormément d'animation et le mec est super cool. Et t'étais sur Hades la dernière fois, ok. Hades la dernière fois. Du coup, donc ça, j'ai juste à reconnecter ici, c'est bon. Hop, impeccable. Je reprends Whooper qui est là, juste devant. Et je le ferai descendre dans le sol ici. Hop. On prend Toto. Bah je t'en prie. Non, on voit que tu mets de l'énergie, que tu mets de la passion dans tes streams. Du coup ça donne envie. Moi ce qui m'avait fait surtout halluciner, c'est quand t'avais fait sur Crusader King 3, j'en parlais à Quick Jack. Quand tu étais sur Crusader King 3, à un moment, tu as tué, je crois, un pape, et tu as passé un bandeau, genre un bandeau style TF1 en bas de l'image avec on apprend que le pape est mort, inondation en Inde, mais on s'en fout. Putain, mais j'étais mort, je trouvais ça très très bien fait. Ah ouais, mon usine, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Très très bien. Comme d'hab, c'est de la persévérance, c'est de la patience satisfactory. De la réflexion aussi beaucoup. Des calculs. Salut Cubix, comment tu vas? Salut Ludo. Eh hey Ludo, t'es en retard, d'habitude t'es le premier arrivé là. Qu'est-ce qui t'arrive Ludo? T'étais en grève ou quoi? Bienvenue les amis, installez-vous bien. T'as combien d'heures sur celle-là? Un peu moins de 700 heures, mais tu vois, en fait ma sauvegarde est tellement grosse que là, pendant que ça sauvegarde, tu vois, le jeu est complètement freeze. Et c'est pas mon PC, hein, parce que moi je stream avec un seul PC. Et j'ai une très bonne config, je sais pas si t'as vu dans la bio, sinon tu fais un point d'exclamation PC ou config dans le chat et t'auras ma config. Mais c'est le jeu qui est en PLS en fait. Ah bah ça y est, il arrive juste quand je bois. Bravo. Bravo, bravo. Ah le jeu il est en PLS, ouais. Bah regarde mec, le nombre de centrales que j'ai fait quoi. Merci Cubix. Hop. Et merci beaucoup pour le follow Hysterios YouTube. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Et salut à Kazoo officiel. C'est ça le Kazoo hein. Ah je peux pas aller sur ta sauvegarde, je plante. Ah mais t'es pas le seul mage hein. Mais pourquoi tu cries? Tu joues en coop? Alors Hysterios, j'aimerais. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent aller sur ma sauvegarde. Bienvenue à vous deux. Bienvenue, bienvenue. Va falloir que je calcule le nombre de trucs. Si tu veux tester Hysterios, je t'invite. Tu fais un point d'exclamation Seb ou un point d'exclamation Satis dans le chat. Tu vas avoir un lien Google Drive avec ma sauvegarde. Je la mets à jour en chaque fin de stream. Je vous la partage. Vous pouvez aller dessus, vous amuser, etc. Et du coup, tu la télécharges, tu la mets dans ton dossier de Seb, tu lances ton jeu et let's go. Par contre, moi je joue en mode expérimental. Donc si tu lances sur l'Early Access, pardon... T'auras un message comme quoi ma version est plus récente, mais tu t'en fous, tu valides sur OK, tu lances et il n'y a pas de problème. Et vu que je joue sans aucun mode, t'as rien de spécial à faire. Du coup, donc là ici pareil, même type de calcul, on est à 600 mètres cubes, 580, attention contrairement aux autres qui envoyaient que 10. Là, ici, la production elle est de 20, alors que sur du plastique c'est de 10. Donc là, faut plus que je compte de 10 en 10, mais de 20 en 20. Donc 600, 580, 560, 540, 520, 500, 480, 460, 440, 420... Et donc ici on aura 400. Hop. Donc 400. Tac. Ici. On va le mettre là. Un petit. Ici, est-ce que je vais être aligné avec l'autre? J'aimerais bien être aligné sur les deux. Ouais, c'est pas mal si je te mets là. C'est cool. Je vais les tester. T'as vu pour l'update 6? Alors j'ai vu des trucs pour l'update 6. Ça dépend après de quoi? Ça dépend de quoi? Ok, Noodle, ça passe. Le nouveau biome, ouais, alors c'est pour ça que sur ma sauvegarde, tu vois, j'ai pas du tout construit ici. Le seul truc que je vais faire, c'est que je vais aller récolter tous les puits de pétrole qu'il y a là. Et je vais me faire une... je vais raccorder tout ça. Et je vais aller mettre des trains pour amener tout ça de là-bas à ici. Par contre, tiens, un truc que j'ai pas testé. Je pense pas que ce soit faisable. En toute logique, c'est pas faisable de prendre des drones et de faire convoyer du pétrole. Je pense que c'est uniquement du pétrole compacté, etc. qu'on peut... J'ai pas fait de test. T'as fait ta ferme là-bas, toi, mort de rire. Ah bah ouais, bah désolé. Rip. Rip à toi. Apparemment, les puits de pétrole vont bouger. Ouais, d'accord, ça je sais, Venom, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais je fais ma gare un petit peu sur la flotte, là, d'accord, et que j'ai juste les puits de pétrole à bouger et à repasser 2-3 pipelines, easy, quoi. Easy. Ça va me bouffer 1 heure ou 2, ou même 3, mais c'est pas grave. Ok, ça, je vais le supprimer. On va retirer un câble électrique. Donc là, je suis sur cette fondation-là, pile au milieu. Ok, cette fondation là au milieu, on va essayer de le prendre. La troisième. Tac, ici. Normalement le cap descend tout droit. Alors non, c'était une plus loin. Ah non, c'est au milieu et décalé d'un cran et j'étais pas sur la bonne. Ok, on va juste déplacer ça. Hop. Du coup, je suis plus à l'aise pour pouvoir poser, c'est pas grave. On va remonter. On va supprimer ici. Ok. Ok, voilà, comme ça, ça descend propre, tout droit, à la verticale. C'est où le fichier de sauvegarde ? J'ai dit ça, je parle dans le jeu. Ah, alors tu, Kazoo, il faut que tu ailles dans ton disque C. Dans ton disque C, tu vas... Attends, je regarde juste un truc. Ouais, c'est bon. Dans ton disque C, tu vas dans User, Local, App Data. C'est un fichier masqué. Il faut que tu aies pensé à... Dans ton onglet affichage en haut de ton navigateur de fichier, que tu aies pensé à cocher éléments masqués. App Data. Après, tu cherches Factory Game. Save, Game Saved. T'as un fichier avec plein de documents, plein de chiffres, je veux dire. Tu cliques dedans et tu vas avoir toutes tes sauvegardes qui sont dedans. Et t'as juste à copier le fichier et le coller. Ok. Donc là on est bon, là on est bon. Je sais même plus à combien j'en étais ici pour savoir si je dois être en MK2 ou en MK3. Je crois que je dois être en MK2 là. Je sais plus. Je sais plus. Hop là. Ah ouais, mais je crois, je vais crack. Je savais pas. Oubliez, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Streamer, c'est aussi pour répondre aux questions, hein, les amis. Il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui est bête, c'est d'avoir des questions et de ne pas les poser. Si vous avez des questions, un truc que vous ne savez pas, vous demandez. Au pire, sinon, vous jetez un oeil sur le Discord. On doit en prendre l'exclamation Discord. Ok, la hauteur de remontée, ça doit être 0,5. Ah non, 5 mètres là. 5 mètres. Ok, c'est de la F1. Bon courage. Le plus gros problème du jeu, c'est le prix. Ouais, je peux comprendre. Quand on n'a pas les, sous, pardon, le prix est toujours trop cher. Mais fais le calcul entre le temps que tu vas passer sur le jeu par rapport à un autre AAA, genre, je sais pas moi, un Assassin's Creed par exemple. Le dernier, je sais pas, le dernier Call of par exemple, combien d'heures tu vas passer et tu verras que le jeu est pas si cher en fait. Le jeu est pas si cher. Alors attends que je reprenne parce que là du coup j'ai oublié. 600, 580, 560, 540, 520, 500, 480, 460, 440, 420, 400, ici 400. Ok, 400, 380, bon on le mettra après, 360. 360, hop, 320, 40, 320, ici 300, donc on se met en MK1 jusque là-bas, après 280, hop, 260, 260, 240, 220, 200, 180, 160, 140, 120, Hop. 80. 60. 40. Et là, ce sera 20. Donc ça, on va le supprimer. Hop. On va mettre ça ici directement comme ça. Donc là, ici, le carburant, il va faire le tour de là-bas pour passer en dessous et pour revenir après par là en suivant celle-ci. Hop. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet d'avoir des tuyaux qui font 600 au niveau du débit. Et c'est plus simple après à calculer quand on s'occupe d'optimiser un petit peu ailleurs. Si j'ai des tuyaux avec du 320, l'autre à 275, un autre comme ça, etc. à force, c'est la misère. Donc je blinde mes tuyaux, comme ça je sais qu'ils arrivent à 600. Et c'est plus simple à gérer. Hop. Hop. Avec un stand gaming, je crois que tu peux avoir le jeu à 23 balles, hein, au lieu de 30 € actuellement sur Steam. Hop. Ok. Toi, je vais te laisser là pour l'instant. Ok. Ah, ça m'a peut-être relancé. D'ailleurs, ça m'a relancé mes raffineries là-bas. Le fait de rajouter des tuyaux, ça les a un peu vidés. Ok. Ok. Ça, c'est branché, tout est branché. Il n'y a plus qu'à connecter pour les sorties. Il faut que je vois à combien je suis. On va se repérer. Parce que je crois qu'il fallait que je descende. Ah, mais non, j'avais déjà fait. J'avais déjà fait ça. Oui, je m'étais arrêté là. Ok. Allez, on repart dans l'autre sens du coup. Donc de là à là, j'ai 20. Ah oui, il faut que je remette mon tuyau là-bas, là, qui est magnifique. Hop. Ok, c'est parti. 26,59 instant gaming. Où est-ce que j'ai trouvé? Je crois que... Je sais plus si c'est sur Eneba. J'ai réussi à le trouver à 23 balles, je crois. Il n'y a pas longtemps. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, hop, 240. Non, 220, 240, 260. Non, si je me suis pas planté, c'est ça. Hein. Parce que là, j'ai eu un doute, le fait d'avoir mal compté. Là. Donc là, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260. Ah ok, faut que je désupprime celui du haut. Hop, c'est bon. Hop, et voilà, impec. Ah oui, c'était la montée. Vue de travers, je croyais que mon convoyeur était pas droit. J'étais là, ah non, non, non. Ah non, 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 je ne valide pas. Du coup, il me faut du MK5. Ouais. Des tôles, j'en ai. Du plastique et du caoutchouc, ça, ici, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Du béton. J'en ai. Il va me falloir des plaques. On va aller chercher ce qu'il nous faut, là. On va aller faire les courses un petit instant, là. Il va me falloir des poutres aussi, comme ça. Alors, attendez. Vous savez ce que je vais faire? Hop. Ah, mais j'en ai déjà là, des poutres. Alors, attends. Est-ce que j'aurais pas du MK5 qu'il me faut en bas, là? Non. J'ai des ordinateurs. Je peux virer celui-là, il me sert plus à rien. Ok. Bon, bah, on va aller chercher tout le reste. Comme ça, ceux qui n'ont pas vu ma base, vous allez pouvoir voir. Une partie au moins. Une partie au moins. Hop. C'est pas en faire quoi de tout le pétrole, là? Il me faut beaucoup de plastique pour mes productions de... d'ordinateurs, de circuits électriques et de supercalculateurs, tout ça, il m'en faut beaucoup. Donc j'ai été chercher, on va chercher tout le pétrole de la map et on va tout raffiner ici. On va tout raffiner ici. Après il va falloir que je parte, que le résidu de pétrole lourd, je vais en faire du carburant. Et, ouh, et le carburant, eh ben on va en faire du courant. J'ai pas de problème électrique puisque j'ai un build pour 105 centrales nucléaires. Même si j'en ai posé que 45 pour l'instant, le build pour produire et recycler les 105 est en place. Mais j'aurais posé que 45, ça me suffit pour l'instant. Mais de toute façon, vu tout ce que ça va consommer à force, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, je rajoute du courant. Donc, bah voilà. Comment tu as ramené tout le pétrole? Par les trains? Ouais. Par des trains, c'est de la F1. Il y a déjà, c'est pour ça que, je te le montrerai après, mais c'est pour ça que j'avais 6 gares qui sont posées déjà. Et il faut que j'aille chercher les derniers qu'il y a à côté justement là-bas, là, que j'ai pas été prendre, là où on est. J'ai pas été prendre les derniers et eux, ils vont venir directement par plane. Je vais pas faire une gare de train pour 200 mètres. Ça prend les fluides des trains? Oui, bien sûr. Il faut juste que tu mettes une... T'as deux types de stockage. T'as la plateforme de chargement normale et t'as la plateforme de chargement de fluide. Quand tu les poses, tu vois aussi une différence. Est-ce que tu vas le voir ici comme ça? Si je le mets là, comme ça. Ouais, tu vois juste sous les drones là. Juste sous les drones. Tu vois que sur la tranche, je peux pas te montrer malheureusement. Au-dessus des 4 entrées-sorties. Sur la tranche en haut, t'as un carré. Je sais pas si tu le vois, un carré qui ressemble un peu à un QR code. Et bien si jamais à la place tu prends ça, à la place t'as une goutte d'eau. Donc t'as aussi un truc pour pas te tromper. En plus des sorties qui sont rondes au lieu d'être carrées quoi. Donc normalement t'es bien. Normalement tu devrais pas avoir de problème. Hop. Hop, ici. C'est par là. Du béton c'est bon. Ok, bon à savoir. J'ai besoin de quoi? J'ai dit plaque. J'ai dit... Ah, plaque de fer renforcée aussi. Ok, on va aller chercher ça. Hop, passe par là. Suis un peu le truc. Allons récupérer mes plaques de fer là-bas. Et puis voilà. Bah tiens, j'ai une gare juste là. Je vais pouvoir te montrer le fameux carré dont je te parlais. Voilà. A savoir que le carré s'allume aussi que si la gare est alimentée. Ça a aussi un petit moyen de le voir, du coup. Ce petit carré là, là. Voilà, le petit truc qui ressemble à un QR code là. Hop. Je vais me prendre quelques moteurs au cas où j'en ai besoin. De toute façon, j'en aurai besoin plus tard pour mes autres raffineries, mais je vais déjà en prendre quelques-uns. Les rotors stators, j'en ai pas besoin, non, c'est pas la peine. Je suis sur ta sève, donc si tu as besoin, je peux venir. Si tu veux, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? Ah, j'ai pas réfléchi à l'avance ce qu'il y avait à faire comme boulot. Si tu veux poser des lignes de production, il y en a toujours à faire dans le bâtiment de fer. Ça, ça change pas. Si tu veux faire des prods, hop. T'as déjà vu dans ma base de fer comment c'est ou pas? Parce que le but c'est que tu fasses exactement à l'identique. De toute façon faut que j'y aille, donc je vais chercher des plaques de fer. Alors, je vais aller voir. Ok. Ça va, tu lags pas trop, c'est de la F1? On va passer sur le décathlon. Pas pour le moment? Ok. Ouais, parce que toi, t'as spawn au niveau du... L'endroit où j'ai mis le hub, j'ai mis loin de la base exprès pour pas qu'il y ait trop de problèmes de FPS. Et tu vas voir, quand tu vas arriver dans le coin, là, ici, hein, ça devrait pas être pareil. Hop. Ok. Let's go. Les tiges. GG pour ton autoban, Kazoo. Kazoo, fan de Sadomaso, qui s'autobane. Alors, je peux en prendre au moins 4 stocks, je pense. Au moins 4. J'en ai déjà un plein, là, ça m'en fait 5, c'est bon. Il va me falloir quelques plaques de fer. Les plaques de fer, je peux toujours en récupérer un petit peu de l'autre côté. En remplaçant les types de sol. Ouais, je vais supprimer là 2 secondes. Le temps que ça produise et que ça arrive là-dedans. On va pas attendre très longtemps. Je vais en prendre l'équivalent de 200, hein, histoire d'avoir un bon stack. Plus que je récupérerai là-bas, c'est bon. Du béton, il m'en reste encore. Ouais, et puis il va me falloir du MK4 et puis du MK5 et puis c'est bon après. Hein. Après on peut retourner bosser. Hop. Allez, 207, 215. Allez, dépêche-toi. Je testerai tes galets. Ah ouais, non mais il n'y a pas de souci. Ça me fait juste rire. Des fois, les nouveaux viewers se font avoir assez rapidement juste après avoir follow parce que... Bah, tu gagnes tes points de chaîne et comme la récompense elle a 1 point de chaîne, souvent il y en a qui se font avoir. Bah, ici le ban c'est de la rigolade. Hop. Bon, juste si un jour tu fais une connerie que tu te fais ban, tu sauras que c'était pas une blague là mais... Hop. Ah, j'ai vu le nom mais j'avais envie de test. Ah mais tu peux. Ok. Allez, on va aller chercher le MK5. T'es sur Steam et tu veux venir 45 minutes? Ouais, y a pas de souci. Alors, hop. Je vais juste me switch. Tu veux venir sur Discord aussi en même temps ou pas? C'est de la F1. On s'en discute en même temps? J'ai regardé combien c'était sur un centre, 26, mais c'est cher. Ah oui, 26, c'est un peu cher encore. 1, 2, 3. Pareil. Ok, j'arrive. J'arrive. Alors, attends. On va se switch. Si tu veux, sur le Discord, je suis dans le salon numéro 1, si tu veux me rejoindre. Fais quel étage? Comment ça, je fais quel étage? Hop. Et salut, Eos, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Tranquillou? Ouais, attends, je vais... Ouais, je vais juste, alors, je vais différencier mes réglages. Je vais monter un peu la musique, vous inquiétez pas, c'est normal, ça va rebaisser. Ah, allez, mets-toi en push tout par contre, si jamais tu reçois des appels. Ouais, c'est bon. Attendez, je vais baisser un petit peu la musique encore. Voilà, comme ça on t'entendra mieux. Normalement, on devrait bien t'entendre. Parle, voir. Ouais, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ok. Pour le nombre d'heures passées sur le jeu, c'est largement rentable, 26 €. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Venom, mais s'il les a pas, il va pas les pondre. S'il les a pas, il les a pas. Alors, le but, je t'explique. Je vais même te montrer. Le but, c'est de rajouter des lignes de production qui manquent. Et il en manque beaucoup. Il en manque beaucoup, notamment bah là, au niveau des tiges, tu vois, là, t'as tout un étage là-bas terminé. Ouais. Il y a tout au fond. Et puis, pareil pour les vis. Là, il y a une bonne partie qui est faite. Il faut refaire ça pareil sur 2 étages pour faire exactement la même chose que ça, mais ici, là-bas. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. D'accord. Si tu penses que tu peux faire exactement la même? Oui, je suis en train de faire la même sur ma save. Parfait. Parfait. Bah écoute, attends, je vais t'envoyer l'idée de session. Copier. Hop, je t'envoie ça. Envoyer un message. Tac. Et voilà, c'est fait. Tu stream aussi ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je joue que pour moi, pour le plaisir. Ok. Oh bah tu sais, c'est pas dissociable. Hein. Moi je joue pour le plaisir et aussi pour être en stream. Oui, tout à fait. C'est pas un interrogatoire, tu peux pas obligé de me répondre affirmatif, négatif. Non, non, t'inquiète pas. Okay. Hein. Hop, allez, c'est parti, on y va. Ça fait 3 mois que j'ai pas parlé à un pote, je crois que tu lui demandes de me payer, il accepte. Tu peux essayer, si c'est un bon pote. Après, si c'est pas la première fois que tu fais le coup du hey mec, je t'ai pas parlé depuis 3 mois, mais je viens de voir, mais paye-moi un jeu vidéo. Ça me fait moyen, hein, quand même. J'espère que t'es là pour lui quand il a besoin, en tout cas. Sinon, c'est moyen. Hein. On entend que Tina Turner, mais putain, mais NASCAR. NASCAR. T'as passé un week-end chez GG ou quoi, NASCAR? Oh, c'est juste, souvent il a pris la distance car il a refait un PC. Bah voilà, ok. Pas de soucis. Bah écoute, hein, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Tente. Hop, allez, allez. Comme ça, c'est bon. Allez, on reprend de l'autre côté. Ce qui est bien aussi avec Satis, c'est qu'il y a tout type de musique qui peut aller dedans, quoi. Tu peux mettre de la techno pendant que tu builds, ça passe. Tu mets de la musique chill, ça passe. Tu mets du rap, du hip-hop, ça passe. C'est incroyable. Fais comme GG, attends les giveaways. C'est Pierrot, hein, qui a gagné le dernier, d'ailleurs. J'avais offert une clé de Satisfactory samedi dernier. D'ailleurs, possible, fort possible, que je sois là tout le week-end. À partir de 18 h, un truc comme ça, je devrais être là. Pas de pause ce week-end? Possiblement que non, ça va dépendre. Habituellement, les week-ends, je suis pas dispo parce que j'ai toujours des sorties, des trucs à bouger, etc. Mais dans les personnes que je dois voir, il y en a qui ont Covid. Ah. Donc, ça déjà, ça... à la maison. Exactement. C'est vrai, j'ai fait une bonne session de musique. Eh, on est d'accord, Venom. Par contre, moi j'ai fait le test, hein, quand j'ai bossé sur l'usine, j'ai raccordé les 195 premières ou 200 premières à peu près. Je regardais d'autres streams Satis. Bon, ah, forcément, vous me connaissez, je suis obligé de discuter avec les gens et puis de dire pourquoi tu fais ça comme ça ou ah ouais, ça c'est une bonne idée. Et finalement, j'avance pas. J'avance encore moins en regardant des lives qu'en étant moi-même en live. Oui, parce qu'on a tendance à regarder plutôt que jouer. Et complètement. Et en fait, ce que je voudrais faire ici plus tard, c'est autour de tout le cratère, faire un énorme dôme, pour un peu comme j'ai fait au niveau de ma ferme à Dogo, mais un énorme dôme ici pour protéger. Genre protéger, quoi. Et je trouve l'idée plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être encore un travail de barjo, ça. Ah, t'as de quoi t'amuser dessus. Salut Romain, ça va très bien et toi? Ah ben Satisfactory, oui, t'as jamais fini, t'as jamais fini. Là le petit 120 au sol, là c'est quand je comptais mes fonderies, hein. Pour être sûr de pas recompter depuis le début. Et alors là j'oublie pas, je suis à 120. C'est pour ça que là-bas il y a un 176 par terre. Ça va aussi, et bonjour le chat. Ça c'est quelqu'un de bien, ça. Le chat, Romain vous dit bonjour, répondez-lui j'espère. Hein. L'UD6 ça sort quand? Début juin. Normalement, si elle n'est pas repoussée. Elle peut être repoussée, mais pour l'instant, annoncé début de juin. Merci Venom. J'ai un souci, j'arrive pas à te rejoindre. Ah. Tu joues sur quoi? Expérimental? Oui. T'as quel numéro de client en haut à gauche? Tu le vois où? Tout en haut à gauche, dans, là où tu as ton bandeau expérimental build, tu as marqué Early Access CL dièse. Moi j'ai 18, 66, 38. Moi je l'ai pas, j'ai juste Early Access, branche expérimentale. Regarde, regarde sur mon stream, j'essaie de te montrer un petit peu au-dessus de mon doigt, tout en haut de mon doigt là. Tout en haut, tu vois, t'as le bandeau rouge, dans ce sens-là pour vous, le bandeau rouge, et juste à côté, c'est écrit là. Et normalement, quand tu lances le jeu, ça doit être marqué. Ah, non, c'est de la F1, on me demande si t'es de Béziers. Non, pas du tout. Ah, tu vois, perdu NASCAR. NASCAR qui dit celui qui est avec toi, il a un accent de Béziers ou je me trompe? Eh ben, tu te trompes. Alors, c'est Early Access CL dièse 18 66 38. Ok, pareil. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu puisses pas. T'as bien, bien fait un copier-coller de la... C'est ce que je vais me refaire. De l'idée. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu puisses pas rejoindre. Je suis pas en, private, moi, normalement. Non, je suis en friends. C'est bon, hein. Hop. Salut Pascal, bienvenue à toi. Installe-toi bien frérot. Et bienvenue. Ok, ça c'est mis là. Ah oui mais je les ai pas reliés, attends, je les ai pas reliés. Donc là, deux ici. Hop. Sinon je vais avoir des problèmes après pour voler. Tac. Ici c'est bon. Et toi ça fait longtemps que tu joues alors du coup cette F1 ? Ouais, j'ai à peu près 1200 heures dessus. Ah oui! Ah oui, excuse-moi, j'aurais dû commencer par là. Hein. Ah, t'es largement capable de faire la même chose que moi, complètement. Hop. Après, je suis jamais arrivé au bout du jeu. What? J'ai toujours recommencé avant d'être arrivé à la fin. What? Mais même par fierté, tu t'es pas dit, là, genre, ras le cul, vas-y, je vais au bout, même si je rush... Non, parce qu'à chaque fois, je trouvais des nouveaux builds, des nouvelles manières de me diversifier. Donc, à chaque fois, je recommençais pour repartir de zéro. Dans le chat, on me dit que c'est honteux. Eh ben oui. Mais c'est quoi toutes ces machines que tu installes? C'est pour faire quoi? C'est marqué dans le titre, Romain. C'est les 390 centrales pour le pétrole. Je vais en faire du plastique et moitié plastique, moitié caoutchouc pour mes prods. Et le résidu qui va en sortir... Je vais le retransformer dans des usines, dans des raffineries pour faire du carburant. Et le carburant, bien sûr, je vais le cramax. Hop. Salut Pascal. T'as jamais été au bout non plus? T'as combien d'heures pour Venom? Eh mais attends, mais... Est-ce qu'il y aurait un modérateur de présent, s'il vous plaît, pour me lancer un vote dans le chat? Je veux savoir combien d'entre vous n'ont jamais été jusqu'au bout du jeu. Hop. J'ai relancé le jeu, je remets l'idée. On n'est pas modérateur. Non, je vois bien un joueur. Après 500 heures. Okay. GG, il n'est pas là, sorry. Et Orban. Ah, tu vois, ça me met Your connection to the host has been lost. The Lost Has Been Lost. Ouais, bah ton... Bizarre, ton PC il arrive même pas à se connecter au mien, quoi. Ouais. Bon, écoute. Okay. Et aussi, si t'es là, vu que t'es déjà venu plusieurs fois, est-ce que tu veux essayer de rejoindre, voir si ça fonctionne? Même si t'as pas le temps de jouer, juste pour tester, voir si ça marche. Si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez C'est de la F1. S'il te plaît, si tu es là. Hop. Après, tu peux m'appeler Cédric, c'est plus simple. Ok, Céd. Ça ou Cédric okay. Non, j'ai pas le droit d'allumer les gens en semaine. Explique à tes parents, c'est juste un test de connexion et tu recoupes aussi sec. Tu vas voir. Ils vont comme ça, tu dis, tu vois maman, et tu pourras même lui dire, tu vois maman, tu me fais confiance. En tout cas, tu vois, quand j'essaie de me connecter, ça me fait connexion 4/4 à Lost. C'est bizarre. Hein. Pour lancer la partie ou ce genre de bise, je sais pas, c'est bizarre. Bon, ben, je vais requitter le jeu. Ah, je suis désolé. Hein. Non, non, mais t'inquiète pas. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi j'ai dit oui. Hein. Oui, 480, j'étais arrivé là, à 480. Et là, c'était ça qu'il me fallait, ouais. 480. Attends, je sais pourquoi peut-être. 500. 520. 540. 560. Non, moi je te vois même pas afficher quoi. 620. Putain, je relâche le jeu. 640. Ouais. 660. 680. 700. 720. 740 et là 766. Donc il va falloir que je prenne une des sorties là-bas pour la ramener là. Et je vais juste revérifier voir si je me suis pas trompé dans le compte. Non, pas ça change rien. Ah, c'est dommage. Connexion à lot 4/4 et ça m'éjecte. 60, 80, 600, 20, 40, 60, 80, 700, 20, 40. Merde, je comptais même moins là. Sur Epic, c'est chiant pour ça. C'est moi qui dois relancer? Comment ça, c'est moi qui dois relancer? Oh, mais là aussi. C'est la première fois que ça fait ça. Chaud quand même. Ah, puis si je relance la sauvegarde, là, on en a pour 10 minutes. Hein. Non, 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 mais te fais pas chier. Je vais partir moi bientôt, donc ça sert à rien. Okay. On essayera une prochaine fois. Ah, avec grand plaisir. On prévoira un peu plus de temps, comme ça, si jamais ça marche pas, je reconnecterai et tout. Mais c'est gentil, en tous les cas, d'avoir voulu donner un coup de main. Super non, sympa, toi. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais moi, je me tape toutes tes vidéos YouTube pour voir comment tu builds. Ouais. Et du coup, j'ai recommencé une save. J'ai 130 heures dessus, tu vois. Ouais. Et là, je viens de débloquer le MK5. D'accord. Bah, putain, t'as rushé quand même, c'est bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en as tiré, toi, au niveau des builds? Qu'est-ce que t'as appris sur les vidéos? Juste pour... Ça, c'est juste par curiosité, tu vois. Alors déjà, le passage de tout ce qui est câble électrique. Ah ouais, par le... en sandwich layer. Ouais. Et bon, en plus, les convoyeurs plus bas de 1 ou 2 étages pour les assembleuses et les manufactures, c'est vrai que c'est beaucoup plus propre. Le coût de l'overclocking de tous les stockages. Ouais. De faire les surplus. Les surplus, ouais, ok. Les surplus qui alimentent toute la ligne d'un bout à l'autre. Ça, c'est pas mal. Et ça te permet que si t'as pas assez de filons pour faire tourner plusieurs lignes, si t'en as une qui est pleine, ça te permet de faire tourner les autres. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. C'est pratique. Attends. En fait, que tu relances pas, que ton pote n'est pas enregistré un ami. Ok, d'accord. Mais il n'est pas en ami sur Epic. Il a le jeu sur Steam. Je l'ai pas rajouté en ami sur Epic. Tu vois, c'est autre chose. 30 viewers sur le live, tu payes Satis à des personnes présentes, pas vrai? Pas vrai. J'ai déjà... samedi, je vous ai régalé quand même. J'ai offert 3 giveaways, j'ai offert une clé. Ça va. Samedi, j'en ai pour 150 balles déjà, les amis. Hein. Ok, c'est encore plus le bordel. Merci, Kazou, pour ton follow. Merci. Non, au 900, ouais, on pourra se refaire un truc au 900. Mais on y est presque, hein, ça approche. Ça approche gentiment. Du coup, ça s'est mis... Alors, on va partir dans l'autre sens, puisque mon tuyau va partir là-bas. Et donc, comme c'est la fin, ça j'en ai pas besoin. Bah là, tu vas voir sur les épisodes qui sont sortis. D'ailleurs, je crois que c'est ce matin. L'épisode de ce matin, c'était sur le début du bâtiment d'Allumine. Ouais, j'ai vu que t'as sorti un truc, ouais. J'essaie d'en sortir tous les matins. Mais j'ai pas toujours le temps, mais au moins 5 fois par semaine. Et là, moi, je suis en train de regarder, là où t'es en train d'augmenter les prods pour le bâtiment de plaques de fer renforcées, rotor et stator. D'accord, ok. Alors ça, il y en a pas mal des épisodes où je vais aller dessus. Hein. Je suis à l'épisode 48, 49. Ah bah bien. Et salut Chapi Chapeau, comment tu vas? Hop. Hop. Tu as un point qui sait attendre. Parce que je l'ai sur Steam maintenant, tu as l'option ajouter Steam et Epic. Ok. Oups, j'ai pas du tout compté. J'ai pas du tout compté pour voir à combien j'en étais là. Alors attends. Là ici on va être à 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. « 120, 240. Pardon. 260. » Après, j'essayerai, parce que je l'ai sur Epic Games aussi. J'essayerai de le réinstaller. Ouais. Au Attends, pire... t'as acheté le jeu 2 fois? Ouais. Enfin, je l'ai acheté 1 fois et on me l'a offert 1 fois. D'accord. Ah ouais, je me suis dit, le mec, il veut être sûr de pouvoir y jouer. Maintenant, Steam, m'en bat les couilles, je vais sur Epic. Maintenant, c'est Epic, m'en bat les couilles, je vais sur Steam. Je continue. Et ça peut permettre d'avoir une expérimentale et une early access d'un côté et de l'autre. Ouais, mais tu sais que sur Epic, il suffit que tu télécharges... ouais, t'as les deux, oui. T'as les deux. Et sur Steam, si tu fais un clic droit sur propriété de ton jeu, tu peux activer le mode bêta qu'ils appellent. Et tu as, ouais, tu as la version expérimentale. Tout à fait. On peut même avoir les deux. T'as qu'un seul compte. C'est quoi la différence entre l'expérimental et l'autre? Les dernières mages, les derniers trucs sont mis en priorité sur l'expérimental, voir si ça marche. Et... Pardon. Pardon. Et désolé pour toi aussi sur Discord, je t'ai pété les oreilles sur le live. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Et du coup, ouais, t'as les dernières matchs, par exemple, l'update 4, on l'avait eu, ou l'update 5, on l'a eu 1 mois avant, je crois. Là, l'update 6, on va l'avoir quasiment 1 mois et demi avant sur l'expérimental par rapport à l'early access. Mais potentiellement, si c'est sur l'expérimental, c'est potentiellement moins stable. Mais j'ai pas de problème de stabilité, ça va. À part quelques crashs de temps en temps, mais ça, c'est lié à la taille de la sauvegarde. Ok, 320... 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540... j'ai même pas vérifié si celui-là il était plein là. Si celui-là il est plein puisque j'ai commencé à faire l'autre après et que j'ai rechargé. Ok. Donc toi je vais te mettre ici comme ça en attente. Il faudra ici que je mette un tuyau. Alors je vais mettre un passage au sol pour me rappeler que il va falloir que je ramène de l'autre côté ici. Hop. On va accorder au courant de l'autre côté. Ok, une fois que j'ai fini le courant, je passerai le pétrole. Et on testera. Toujours tester. Ça me les connecte. Arrivé à certains moments, il faut une bonne config pour tout faire tourner. Ouais, ouais, oui, quand même. D'un moment, oui. Mais tu sais que j'ai réussi à jouer le début de mon ancienne sauvegarde Satisfactory avant qu'on me prête un PC. Et j'avais un vieux PC de bureautique où j'avais La carte graphique, c'est intégré à la carte mère. Pour te dire à quel point c'était pourri. C'était un Lenovo, tu vois. Un vieux Lenovo tout pourri. Il y avait 4 gigas de RAM, je crois, dessus. Et le jeu tournait, hein. C'est le seul jeu qui tournait dessus. Hein. Le seul jeu que j'arrivais à faire fonctionner, c'était Satis. À la fin, avant qu'on prête un PC, ça laguait tellement que pour faire le tour d'un bâtiment, comme celui de fer par exemple, je pense que je devais mettre 3 quarts d'heure pour faire le tour. J'étais à une image toutes les 5 secondes. Donc à 0,2 FPS. Imagine le truc, quoi. Ouais, Vemon 54310, j'ai un PC portable. Et j'arrive à faire tourner la save de quête. Ouais, c'est pour ça, au moins, faites tourner la save, vous testez comme ça, et si ça tourne, bah, vous venez me rejoindre, il n'y a pas de problème. Si on est fou et moi, Yadri. Hop. Okay. Hop. Aïe. Ok, là on est bon côté sortie, on a tout raccordé, on est tout bien, tout beau, tout propre. Maintenant il va falloir alimenter. Le plus chiant quand on fait des grandes lignes comme ça, c'est de mettre toutes les recettes dans les machines. Ouais, alors non, je dirais pas pour ce cas-là. Je pense que oui, si tu as des grandes lignes, mais disons que d'une, j'ai tellement l'habitude de faire des grandes lignes que à force ça me touche plus. Mais c'est surtout parce que j'en arrive à être au-delà de devoir faire ça, c'est-à-dire que moi c'est bien tout raccorder, voir la bonne vitesse de pipeline, la bonne vitesse de tapis, tu sais, c'est plus ça qui me prend du temps, comme tu as vu, des fois je suis obligé de recompter plusieurs fois pour être sûr d'être bien optimisé, c'est ça qui demande le plus de oui, travail, oui. Je trouve. Oui, c'est sûr. Et salut Cactus, comment tu vas? Les boys and girls, on va tous bien et toi? On a perdu la cote. On t'arrive toujours pas à te connecter, je suppose, Cédric. Non, là je vais le réinstaller sur Epic, ça sera plus simple. Ouais, tu me feras une demande d'amis si tu veux sur Epic, c'est Ketrard. Ouais. Et même vous, hein, qui êtes là dans le chat, hein, si vous me faites des demandes d'amis sur Epic, y a pas de souci. Hein. Sur Steam, bah, vous devriez pouvoir trouver Ketrard aussi. Y a pas de souci, sur les deux c'est moi, il y en a qu'un. Hop. T'es basé sur 780 MK5 parce qu'il me semble faux. Je suis basé sur 780 MK5, ouais. Pourquoi? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, j'ai toujours l'espoir que ce soit corrigé par les devs. Donc si c'est corrigé par les devs, eh ben, tant mieux. Comme ça, je serai déjà à 780. Mais c'est également... tu sais que les pipelines aussi sont bugs. Tu fais pas exactement passer tout ce qu'il faut. Donc je me dis que si jamais il y a le même petit défaut, que ce soit en entrée ou en sortie, forcément les deux défauts s'annulent. Si j'ai pas assez qui rentre et que j'ai pas assez qui ressort, ça s'annule, ça s'équilibre. Et en faisant ça, j'ai pas de problème en fait. J'ai pas de problème, je vois pas de machine, tu vois, sur des lignes comme ça, 780, qui tourne pas ou qui soit bourrée de ressources. Ou, ça a l'air d'aller. Attends, j'ai même pas compté. Oh, on va faire une pure de ligne là. Est-ce qu'il faut que j'aille alimenter par le fond ou par l'avant ? Ça, c'est la question. C'est la question. Donc, si tu prends... Je pense qu'ici, il va falloir que j'alimente par l'arrière. Je pense qu'il va falloir que j'alimente par derrière. Sinon, ça va pas faire. Ouais, il y en a plein qui parlent de 750. Bon. Ok, bisous, Eos. Laisse un chouïa, si possible, c'est violent. Ok, je vais bosser un chouïa la musique. Voilà, c'est mieux. Hop. Donc là j'ai 600 qui arrivent, donc là je suis à 570, 540, 510, 480, 450, 420, 420, hop. 390, 360, 330, hop, 300, 270, 240, 210, J'arrive, je clear. 180, faut pas que je me perde dans ce que je fais. 150, si on fout, je recompte tout. 120. 90. 60. 30. 0. Attends. Tiens, bah voilà. Je sais plus si je peux faire 30 celle-là, 30 celle d'avant. C'est toujours le même problème, ça. Hop, on va revérifier. T'as rien de vérifier maintenant. Vous lisez ce message, vous devez vous autoban, sinon le karma vous rattrapera. Bienvenue à toi, Mineriose. Ok, donc là on était à 300, 270, 240, 210, 390. Non, 180, 150, 120, 120, 90, 60, 30. La 0, c'est pas possible. Donc, ok, c'est bien que j'en avais fait une d'en trop. Hop. Ici, comme ça. Ok, ça je vais le mettre là pour l'instant. Ok, on va équilibrer les entrées avec les valves. Et tu mets des valves à chaque entrée alors? Ouais, à chaque entrée et à chaque intersection. D'accord. Il y en a qui font autrement et ça marche aussi très bien, c'est-à-dire par boucle. C'est-à-dire que tu fais une espèce de U avec une arrivée et ton fluide va partir dans les deux côtés. Donc il va aussi facilement remplir la première que la dernière machine. C'est ce que j'ai demandé tout à l'heure sur ton Discord. J'ai vu. Ça marche aussi très bien. Ça marche super bien. J'ai mes 5 générateurs qui tournaient à plein pot après. Ouais. Mais moi, c'est juste que je trouve... Alors ça, c'est vraiment un goût personnel. Mais je trouve dommage d'avoir un outil dans le jeu et de ne pas l'utiliser. Mais après, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas une manière de jouer à Satis. La meilleure, c'est celle que vous aimez. Hein. Si tu restreins à chaque entrée, tu es sûr que ça arrive au bout après. Bah oui, puis t'es sûr d'avoir de pas avoir de problème de backflow, de pas avoir ce type de problème là. Parce que les problèmes de backflow, t'en as plus sur des grosses prods comme ça. Effectivement, plus tu multiplies les entrées, plus tu multiplies les séparations, les problèmes de risque, etc. Et bienvenue à toi, Trossad. Bienvenue. Hop. Bon bah écoute, je vais te dire de passer une bonne soirée. Merci à toi aussi. J'espère vraiment que la prochaine fois ça fonctionnera, sinon je voilà. Si je peux, dès que je l'ai chargé, je te le dis et on essayera ça. Il n'y a pas de souci. Merci à toi en tous les cas. Passe une bonne soirée. Et merci à toi aussi. Et ben de rien, au plaisir. Allez, ciao, à plus. Ciao. Hop. Ok, je vais re-switch dans le chat live. Hop. Qu'il n'y ait pas un petit blagueur qui arrive pour faire n'importe quoi. Parce que les blagueurs, je vous connais les amis. Bonjour, la personne qui essaie de te rejoindre depuis Steam a-t-elle lié son compte Steam à Epic Games? Une fois fait, il pourra refaire une requête d'amis correctement depuis son compte Steam. Ça, je ne sais pas, Elfury. En fait, au moment où tu as envoyé ce message-là, je venais de lui dire au revoir. Je ne sais pas s'il l'a fait. Je ne sais pas s'il est encore là, Cédric. Je suis pas sûr. Mais habituellement, ça fonctionne, donc... Mais de toute façon, il a le jeu sur les deux et vu que j'ai envoyé l'idée de session, normalement, ça devrait quand même fonctionner. Ah, c'est peut-être ça, alors. C'est peut-être pour ça que ça merdouille. C'est une très bonne idée, en tous les cas, Elfury. Merci à toi et bienvenue, parce que c'est ton premier message. Le plaisir, c'est un premier message. C'est pas quelqu'un qui me troll, hein, le chat? J'ai littéralement inventé le concept de troll et je vous en tiens rigueur après. Hop. Merci à toi, c'est adorable, Elfury. Quoi, qui te troll? Oh, 90% de mes viewers. Mais en même temps, j'en troll 90% aussi, donc c'est une bonne guerre. Ok. 30. Ici 30. Ok. Ici on a 60. Hop. 30 ici. Ok. Ah mince. 30 ici. Là, ici, 90. Hop. 30. Bienvenue, Joker. Bienvenue à toi. Donc là, je devrais être à 120. 120, hop. 30. Ok. Ici. 150. Bon. 180. Bon, on va s'amuser après à la relier en courant. Celle-là, ça va être chiant. 210. Pas en courant, je vais rentrer 3. Merci beaucoup pour ton follow. Merci infiniment, Joker. Merci et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ok. Hop. Ok, on va profiter de la petite sauvegarde. On se prépare une sucette à cancer. Ne faites pas ça. Vous mettez jamais à fumer, les amis. C'est vraiment de la merde. Oui, toi. Oui, moi. Bon alors, si c'est moi... Je comprends rien à tes calculs. Ok, Venom, je t'explique. Je vais t'expliquer parce que le but, c'est que tu comprennes aussi. Je vais faire arriver un pipeline, d'accord, en MK2 avec 600 de pétrole dedans. Je relie toutes les machines, d'accord. À chaque fois, pour faire la recette, elles vont me consommer 30 de pétrole, me faire 20 d'huile, de résidus d'huile, et me faire 20 caoutchouc. Donc à chaque entrée de machine, je dois mettre 30. Avec les valves. Comme ça, je limite à 30. Comme ça, quand le pétrole il va arriver, il va pas bourrer la première machine, attendre qu'elle soit remplie, puis aller bourrer la deuxième, attendre qu'elle soit remplie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un blocage d'overflow, si tu veux. Donc, je limite à chaque entrée. Mais sur le tuyau principal, le problème, c'est que quand ici... C'est ça aussi qu'il faut comprendre dans cette liste, sur les fluides. C'est que quand ici, j'ai 30 mètres cubes qui rentrent, il aspire 30 mètres cubes ici, il aspire 30 mètres cubes ici, mais les 30 mètres cubes qui sont ici, il va les aspirer et à droite et à gauche. Il va aspirer 15 et 15. Donc si jamais tu as du carburant qui circule comme ça à 45, eh ben, tu as une partie qui vient là et tu as une partie de ce qui est passé là qui veut revenir en arrière. Et c'est ce qu'on appelle le backflow. C'est ça qui peut créer des problèmes. Donc je rajoute une vanne derrière. Déjà, parce qu'une fois que le carburant est passé là, même si ça aspire ici, ça ne pourra pas réaspirer ce qui est déjà passé. Et je limite à chaque fois à ce que je vais avoir strictement besoin après. Comme ça à chaque fois, j'ai aucun problème et je laisse toute cette marge-là. Si jamais ça aspire, ça va aspirer ici, sur cette partie-là, et pas sur cette partie-là, tu vois, de l'intersection. Mais comme cette partie-là où ça va aspirer pour entrer dedans, c'est la partie qui était justement faite pour ça, ben la quantité de liquide contenu là-dedans, même si c'est que 9 mètres cubes, et ben c'est largement suffisant pour pas avoir de problème de backflow. Je régule, exactement. Tu joues à Star Citizen? Oui, j'y ai joué hier soir, Kazoo. J'étais hier soir sur Star Citizen. J'étais à combien là? 210. Hop. 210. 240. Hop. Ici. 270. On va limiter l'entrée à 30. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Venom? Et là, c'est 300 et je laisse à 300. Alors, même principe. Pourquoi est-ce que je laisse à 300 alors qu'un pipeline MK1 ne peut passer que 300? Donc, ça sert à rien de limiter à 300 puisque c'est le maximum déjà du pipeline. Et bien, si, la vanne me sert de clapet anti-retour. Donc, quand ici, ça va aspirer pour rentrer, ça ne va pas aller aspirer dans cette partie qui est dédiée, je veux dire, pour ça. Ça va venir aspirer ici et la vanne va bloquer. Ah, pourtant, j'en fais des calculs compliqués au boulot. Oui, j'ai compris. Si tu veux, j'ai un streamer moyen qui joue. Vous pourrez bien vous entendre. Si tu veux, après, voilà, je propose. Bah écoute, ouais, quasiment. Attends, un streamer moyen. Qu'est-ce que t'appelles un streamer moyen? Est-ce que pour toi, je suis un streamer moyen ou je suis un gros streamer? Parce que moi, je me considère comme un petit streamer. Hein. Hop. Donc, un streamer moyen, c'est qui? C'est Terada. 800 viewers. 800 viewers. 800 viewers ou 800 follow? Ah, follow! Non, mais le nombre de follow, ça veut rien dire. Ça fait plaisir, ça fait ultra plaisir. Si, en fait, si, ça veut dire des choses, mais... ok. Bah, sur le principe, moi, concrètement, il n'y a pas de problème. Hein. Tu me donneras son nom? Stark, tu connais? Non. 390. 420. Hop. 450. Et moi, je suis parti d'une organisation en plus. Donc, si en plus il veut la rejoindre en même temps, c'est cool, quoi. C'est pas une organisation que moi je dirige, hein. Je suis Troufaillon là-bas, hein. Je suis tout en bas de l'échelle. C'est pas leur gars qui est tard, hein. Hop. Et là, 30. Il joue à Satis aussi? Je lui poserai la question. Bah ouais, avec plaisir. T'as pas intérêt à me planter dans les calculs. Ah oui, bah non, c'est sûr. Tu travailles dans quoi déjà, Venom? 480. On va dire dans une centrale nucléaire. Ah oui, t'as pas intérêt de te planter, mec. De toute façon, je veux dire, dans aucun métier, t'as intérêt à te planter dans des calculs. Hein. T'es militaire. Ouais, bah pareil. Pareil, c'est compliqué aussi. Hein. Si tu te plantes là-dedans... Hop, artilleur. Ah ouais, ouais. Ah, le plus important, je pense, c'est les degrés. Si on te dit... si tu tires à 180 degrés, en fait, tu tires derrière toi, hein. Et les poteaux qui sont en train de prendre l'apéro, parce qu'on sait que les militaires prennent l'apéro, ils prennent tarif. Ah ouais, ouais, je vois bien. Ok. Et du coup, donc là, normalement, on va arriver à peu près par là, dans ces eaux-là. Est-ce que j'ai assez pour tout relier, là? Au pire, j'ai recherché. Hop. C'est un automoteur, ça. Je pointe dans un AUF1. Aucune idée de ce que c'est. Mister Freeze, bien sûr, il connaît. Ah, Mister Freeze. S'il peut tirer un coup, que ce soit avec un fusil ou autre chose. Ah, je plaisante. Salut Dertid, bienvenue à toi. Yep. Je te connais à force. Mister Freeze, la légende. Faut que tu te mettes à streamer aussi, Mister Freeze, ce serait drôle. Ce serait très drôle. On pourrait venir t'embêter et tout. Wesh. Un char d'artillerie. Ok. Tu vas manger, Kate? Je vais manger quoi? Alors attends, que je me mette bien. Le truc qui... Ah oui, il tombe là. Il tomberait là. Ok. Okay. C'est pas droit. C'est pas droit et je suis mort. Mais non, c'est pas droit et je suis mort. Bah tiens, je vais pouvoir récupérer des ressources s'il m'en fallait. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On va dire que c'est calculé. Puis en plus, c'est pas trop chiant à atteindre cet endroit-là. C'est bon. Du coup, alors ici. Qu'est-ce que je voulais prendre déjà? Ah oui, il va me falloir des câbles électriques et des bobines. Donc câble électrique, tac tac, des bobines, un petit peu de MK5, un peu de MK2. Ok, ça c'est bon. Le reste, pas de problème. Ça je peux le prendre. Ça et ça je vais les prendre, comme ça je vais les foutre directement dans mon vide-poche. Et puis c'est bon. Équiper des tuyaux dans les fondations, il n'y a plus de respect. Des tuyaux aériens, on va dire que c'est des supports. Hop. Pour plafond, non, je me l'autorise. J'avoue, le clipping, je me l'autorise pour plafond. C'est surtout les convoyeurs que je veux pas que ça clip et les pipelines. Les pipelines entre eux, etc. Sinon, après, si le rendu est esthétique, le clipping me dérange pas. Hein. Vraiment. Devine où je suis, Mr. Free, je sais pas. Juste à côté. Okay. Allez, je coupe la webcam de 3 minutes. Ah bah oui, on était voisins. Sérieux? C'est ton voisin? Vous vous connaissez? y arrive. On y arrive, on y arrive. C'est bizarre ces fleurs qui bougent aussi là, comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont vivantes. Elles bougent de temps en temps. C'est bien foutu quand même. Moi je dis communauté de gamins de 10 piges. Pourquoi? Non, ils ont pas tous 10 ans, il y a de tout âge hein, ici, hein, Venom. Hop. Hop. Allez, passons par là. Hop. Hop, là c'est bon. Ah, sur Fortnite. Ah oui, oui. Parce que là, ici, c'est pas trop ça. La carte doit être par là-bas. Voilà, je la vois. Hop. Il va falloir que je corrige ça. Hop. Ah punaise, je peux pas tout prendre ce qu'il y avait dedans et il me manque le plus important. Bah tiens, bah bien sûr. Ah oui, bah bien sûr, tiens, comme par hasard. Je vais mettre le décathlon sur moi, ce qui va me permettre de prendre ceci. Ceci, je vais le mettre en numéro 2, hop, je prends ça. Ça, je le mets en numéro 1, ok. Ça, je le mets en numéro 4. Ça, hop, en numéro 3. Je prends mon overpack. Alors, l'overpack, il est où ? Attends, j'ai perdu mon overpack. Là j'ai mon jetpack. Ok, mais j'ai pas mon overpack. L'overpack a disparu. Qu'est-ce que c'est que ce bug de merde? Ah! Ça m'arrange pas ça! L'overpack a disparu. Ah non, il est là! Ah le filou! Ok, j'avais eu peur là. Ok, alors quel est le problème là? Là, ok, on est un chouïa trop avancé, il faudrait que je recule d'un cran. Et dans ce sens-là, d'un cran. Ok. Donc un cran de plus des deux côtés. Il faudrait que j'arrive là comme ça. Là je suis en auto, on va se mettre en vertical, horizontal. C'est trop. C'est trop, faut encore que je l'avance. Faut encore que je l'avance. Hop. Je pense. Est-ce que ça arrive là? 1, 2, ouais si, ça m'a l'air d'être bon là, comme ça. Et ça c'est bon. Ah, je récupère. Hop, ça on vire. Et voilà, parfait. La malédiction de SC. Alors, lequel je vais pouvoir tirer jusque là? Déjà, il va falloir que je me rajoute des plateformes ici, comme ça, pour passer mon tuyau dedans. Zoup. Hop. Où est-ce qu'ils sont? J'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai un qui est dispo ici. Ok. Alors, toi. Hop. Puis c'est bon. Je le passe ici, le problème c'est que j'ai l'autre qui va me déranger à côté. Ok, et ben, on va se mettre là. Allez, calme-toi. Viens jusqu'ici. Hop, 1, 2. Hop. Salut, Tiborn. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je remets ma cam dans 2 petites minutes, là, même pas. Hop. Ici, c'est bon. Attends, je vais juste vérifier. Est-ce que j'ai bien mon fluide qui arrive? J'ai bien le fluide qui arrive. Ça, c'est bon. Ah, j'ai pas assez de plastique. On va aller en chercher. Ça, ça va, c'est pas le plastique qui me manque. Ok. Alors, les 200, c'est bon. C'est récup. Comme ça, ça me vide ça en même temps. Parfait. Ok, on retourne de l'autre côté. On raccorde notre tuyau. Alors, c'est celui-là. Et celui-là. Plus par là. Voilà, celui-là. Hop, on va avoir la longueur max, il vient jusque là. Hop. Ah mince, il s'arrête un petit peu avant, ok. Pourquoi tu veux pas te placer là? T'es trop loin? T'es trop loin. Ok, on va te mettre à celui d'avant. Toi, tu vas venir là, on tourne de 2 crans, on déplace 1, 2. Ok. On est bon. Et de là à là-bas. Allez. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Dis-moi tout ça. Fais-moi tout tourner là. Ouais, bah, ça se remplit à peu près pareil partout. C'est parfait. Bon, tout début, il y a un petit peu d'avance sur les premières parce que bah forcément, c'est les premières à avoir reçu du pétrole. Hop. Ok. Je ferme juste ma porte. Ok, ça va se lancer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, celle-là, elle était en jaune, mais elle était pleine. Ok, celle-là, elle est en jaune, mais il y en a déjà dedans. Ok, c'est juste que ça n'a pas actualisé encore les lumières. Celle-là, elle est jaune, mais si je regarde dedans, c'est bon. Et là, pareil, celle-là, elle est en jaune, mais si je regarde dedans, c'est bon. Et c'est celle d'après qui passe en jaune. Toujours un bug, un petit bug d'affichage là. On va se remplir gentil. Ok, donc on a alimenté jusque là-bas. Niveau fluide en sortie. Là-bas, on doit avoir quasiment un MK... Peut-être pas un MK5 là, parce qu'ici c'est pas raccordé encore. C'est pas raccordé encore, donc il va falloir que je tire une des 2 alimentations qui me restent. À la limite... Non, je peux en passer. L'autre qui est là, je peux la faire venir alimenter ici. Et après, elle partira alimenter de l'autre côté. Ok. J'espère que je me suis pas planté dans mes tuyaux parce que c'est quand je vais arriver à la fin et que je vais me rendre compte que j'ai pas assez pour alimenter toutes mes centrales. Je vais me dire, what the fuck, quel est le problème? Hop. Alors, on met tout ça en MK pour l'instant. Sûrement devoir rechanger, mais au moins ça ira vite à remplacer. Et là comme ça je suis